Disclaimer. Disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui excès? Je vous aime, putain. Hey, Macarena. Hey. Oh, hey. Oh, on est qu'une poussière, un lulipère. Hey, j'ai fait bader Adrien pendant la pause. Je suis désolée. Attention, regardez le monde qui se... Et du coup, j'aime pas travailler mon crapaud. Ça aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que le level design évolue en fonction de ton de ta situation. C'est-à-dire que t'es en train d'avancer dans un truc, et là, genre, le couloir peut s'allonger, ou les trucs peuvent tomber, Mais là, tu peux pas avancer, donc qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, c'est trop loin. On revient sur la place où tu étais. Attends, je teste mes... Reviens en arrière. Zazie, à la place. Ah, c'est ça. C'est carré. Avec From Peckinbauer. Non. Quoi? C'est comment il s'appelle? Axel Bauer? Gorgo de nuit! Non, si? Non, mais à ma place de Zazie. Quoi? Ah, oui, non. Qu'aurais-tu fait à ma place? Et Frankenbauer, et ben c'était un gardien. C'est Axel Bauer qui est mort et on l'a ranimé avec des morceaux d'autres gens, donc c'est un Frankenbauer? Oh putain. C'est pas mal comme blague. T'as vu un peu? Franchement, j'aurais été plus sobre, j'aurais ri. Franchement, elle aurait été plus drôle, j'aurais ri. Tu voulais jouer un truc ou c'était ça que tu voulais jouer? Non, c'est ça, vas-y. Allez, Lola, comme un garçon. Alors, je pense qu'on ne l'a jamais fait en plus. Ouais, je pense. Ouais. Surtout que j'étais au collège quand c'est sorti. Ah, je suis désolé. Ah merde. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai dit dans un épisode. J'ai déjà dit dans un épisode, mais vous savez ce que ça veut dire Superbus en latin? Non. Tyrannique. Super. Bus. Presque Tyrannique. Je bosse avec un mec, c'était la Régis. Il n'y a rien ici en fait. Si, t'avais une arme d'année. Donc t'avais un collectible. Mais non, parce que ça t'a donné des petits points. J'adore le mot collectibles. 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 Tu vois, ça se détruit. En parlant de collectibles, un jour ou l'autre, il faudrait quand même qu'on fasse un jeu rare. Ouais, oh, ouais. Tu sais quel est le prochain jeu rare? Oui, Ukulele. Mais d'ailleurs, tu l'as commandé, toi? Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y jouer sur Zalco Geek? Oui. C'est tellement pas le jeu que j'y pensais. Je suis tellement surexcité à l'arrivée de ce jeu. Tu sais que ce jeu, mais genre, je m'en bats les couilles. Mais ouais, mais ça tombe bien parce que moi, j'en bats les couilles de ton avis. Arrêtez de vous battre. Putain. Non, mais en vrai, il y a un autre jeu qui m'intéresse et c'est fait par Rare. Seas of Pirates, là. Non. Alors, ça, pour le coup, c'est les faux Rares. Ah. Ouais, parce que l'équipe de Rare qui était à l'époque sur qui bossait sur 64 et même sur Super Nintendo, qui bossait sur Donkey Kong Country, ils sont partis à partir du moment où ils ont été rachetés par Microsoft. Ils sont barrés parce qu'ils ont dit vas-y, ça pue du cul un peu. Alors en fait, quand il est doré, il faut pas le toucher. C'est ça. Tu peux pas. Tiens que je me suis fait quand même tronçonner le visage. Ouais. Donc je disais, Rareware, quand ils sont fait racheter par Microsoft, ceux qui y étaient avant, ils sont barrés et ils ont monté leur propre studio qui s'appelle Playtonic maintenant et ils sortent Ukulele qui a été baqué de ouf sur Kickstarter et qui donne vraiment vraiment envie. Non, et il donne pas envie. Mais ta gueule, t'as pas grandi avec la société. Oui, mais non mais franchement, il s'est fait baquer, il tourne mieux pour eux, tu vois. Attention. Ouais. Mais bien, en vrai, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu dis mais. Mais parce que c'est un type de jeu particulier, limite elle a son propre genre. C'est ça, c'est le type de jeu Rareware si tu veux, c'est Donkey Kong 64, oui. C'est Banjo-Kazooie, c'est Oh merde. Banjo-Kazooie. Non mais je suis d'accord, avec toi, mais quand tu vois le jeu, t'as vraiment l'impression que il a des années de retard. Mais non. Non, c'est un hommage. Oui, non mais voilà. Donc toi, non mais c'est super intéressant parce que toi qui as connu ça et qui a pas revu de jeu de ce style là, toi tu vois ça comme un hommage. Les autres gens qui ont pas connu ça voient ça comme un jeu complètement daté. Mais tu crois vraiment que ceux qui ont baké sont des gamins de. Enfin, sont des mecs de 14-15 ans? Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est tant mieux qu'ils soient fait baker et que ça fonctionne. Enfin, du coup, il est déjà fonctionné avant qu'il soit sorti. Tant mieux pour eux. Mais. Attends, là il y avait une cosse qui était un peu verte. Ah. C'est une cosse où tu peux, quand tu as détruit, tu récupères de la vie. Là-haut là? Non, redescends. Je pense que c'est sur ta gauche. Sur ta gauche. Ah, pardon. Là, voilà, au-dessus, là, saute, double saute, voilà, là. Voilà. Ah. Quand c'est vert, c'est de la vie. Voilà. Voilà, et là, tu récupères de la vie. Voilà, t'as vu. D'accord, je savais pas que. Bref, tant que tu disais Adrien. Non, mais j'avais fini, hein, c'est que, ouais, toi, tu vois ça comme un hommage, et beaucoup de gens ont vu ça comme un hommage, et qui ont connu à l'époque les jeux, la grande époque Rare. Et tant mieux, tu vois. Mais quand tu connais pas, tu vois ça, tu te dis,
Bah ouais, c'est daté. C'est daté de plus de 10 ans. Mais et non, mais c'est un type de jeu. C'est une plateforme, c'est daté depuis longtemps. Oui, non. C'est un type de jeu en fait qui n'a pas existé. Non, mais qui n'existe plus depuis 10 ans. Rayman a su réinventer le plateforme 2D. Que Mario. Non. Rayman a su réinventer la plateforme 2D façon Rayman. Oui. Mario a su réinventer la plateforme façon Mario. Non. Rareware, pour le coup, c'est un style qui n'a pas évolué depuis 10 ans parce qu'il n'y a pas eu d'autres jeux depuis 10 ans. C'est pareil parce que tu regardes par exemple les New Mario Bros. Qui sont les jeux 2D de Mario. Ils ont su les réinventer quand même en implémentant de nouveaux jeux. C'est super old school. Bienvenue dans Débalco Geek. C'est bon ça. Ouais. Faudrait que je fasse un. C'est pareil. Je dis pas que c'est mauvais ou pas mauvais, mais c'est juste que les Mario 2D sont ultra old school. Et enfin après. Là, tu peux pas récupérer pour l'instant, t'as pas les techniques qu'il faut. D'accord. Voilà. Non. Je te spoil tout de suite pour pas perdre du temps. Ouais. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ukulélé, enfin, genre, on verra. T'as pas connu l'époque Rare, mais tu t'en bats les couilles, quoi. Ah, mais c'est possible. Mais en même temps, c'est fait pour les gens qui ont adoré ça. Mais voilà. Même si t'as pas connu l'époque Rare, tu vas apprendre, tu vas redécouvrir un nouveau truc, notamment. Alors, parce que pour moi, Rare, s'il y a un truc qui m'a vraiment marqué chez Rareware, c'est pas autant le gameplay avec le côté collectible et le côté voilà. Parce que pour le coup, Rareware, c'est les jeux qui ont fait les jeux qui ont le plus de collectible. C'est des jeux à humour et à ambiance en fait. C'est ça, et surtout à musique. Ah ouais. Les musiques de David Wise et les musiques de Grant Kirkhope. C'est trop drôle parce que. Avant de venir ici, j'écoutais une chronique de personnes qui expliquaient, enfin, qui parlaient de jeux à venir de 2017. Ouais. Qui ça? Gamekult. Ah, ok. Et donc des gens bien. Ah, t'as une nouvelle technique. Des gens bien. Oh, j'ai pas regardé. L2 plus. L2 plus, plus double saut. Oh. Et voilà, t'as un joueur allongé. Et qui expliquait que bah, les. Eux, justement, les musiques de Yooka-Laylee, ça les a pas trop. Le truc, même si c'est pas les musiques, mais c'est la manière dont la musique est jouée. Par exemple, quand tu joues à Banjo et Kazooie, j'arrive pas à parler en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand tu joues à Banjo et Kazooie, t'as une musique, merde. Tu peux sauter et faire. Et en même temps, au sommet de ton double saut, tu fais le vol de l'ange. Voilà. Donc saute une fois et après L2 et saute. Ah, merde, attends. Mais en avançant, ouais. Je l'ai. Et en gros, la musique s'adapte quand tu. T'as toujours la même musique qui tourne, mais si tu rentres dans une caverne, la musique va changer légèrement pour donner une ambiance. Mais bien sûr. Contre un boss, c'est pareil. Très bien, il n'y a pas de problème. C'est fait dans plein de jeux, et puis je dis. Enfin, c'est pas pour minimiser le truc, mais c'est juste pour vous refaire descendre sur Terre sur le fait que, ça vous ambiance, mais il y a énormément de gens, mais ils s'en battent les couilles, quoi. Mais comme pour plein de jeux. Évidemment. Oui, voilà. Mais est-ce que vous êtes ambiancé sur plein de trucs? C'est vrai que Lola était justement elle parlait de ça, mais ça m'a fait un petit peu comme un chat dans Matrix. C'est que le ça fait quoi? Comme un chat dans Matrix. Genre ça m'a fait alors pour ceux qui ont la référence une fois de plus, bon bref, on s'en fout. Mais quand tu es dans le hub de Banjo et Kazooie, c'est dans le niveau principal où pour le coup tu peux accéder aux autres niveaux. Ouais. La musique. C'est une musique de base, genre c'est la musique du hub, pas de problème. Par contre, tu t'approches d'un niveau dans lequel tu peux rentrer, la musique prend le style de la musique qu'il va y avoir dans le niveau. C'est de la musique, alors c'était sur mon PFA, j'avais ça comme PFA, contrainte. PFA projet de fin de, non, PFE, pardon, projet de fin d'études. Pour le coup, j'avais ça comme contrainte, c'était musique dynamique. Et c'est ça en fait, c'est que. Comme contrainte. Ouais, parce que moi j'avais l'exercice du chapeau. Où pour le coup on devait piocher des mots dans le chapeau pour Oui, c'est vrai. Et t'avais le côté un truc bizarre. Ouais, et j'avais le côté musique dynamique et c'est ça en fait la musique dynamique, c'est le côté d'adapter la musique en fonction du jeu et rien que ça, si tu veux, ça offre une autre ambiance et c'est vrai que les jeux Banjo et Kazooie, même si au final ça reste des jeux qui restent très traditionnels dans le sens plateforme, dans le sens collectible, t'as une ambiance, t'as un truc qui a marqué une génération mine de rien. C'est pas rien. Non mais une génération de joueurs qui ont joué sur 64 et mais je dis pas que c'est rien. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont fait béquer comme des gros bâtards. Bah oui. Mec. Mais super, c'est génial pour. Quand tu cites la 64, l'un des premiers jeux, voire le premier jeu sur 64, c'était Mario 64. Mais t'avais aussi Banjo et Kazooie qui perfectionnait ce qu'avait initié Mario 64. Alors moi, je trouve qu'en termes de plateforme et caméra, Banjo et Kazooie est meilleur. Heureusement, c'était. Évidemment, mais enfin tu vois, pour des mecs qui à la base avaient travaillé d'abord sur Donkey Kong Country qui était un jeu en 2D, les mecs ils ont dû s'adapter et faire un truc qui était quand même relativement cool. Ouais. Et j'ai l'impression que je parle tout le temps de Rare, mais c'est parce que Rare avait fait un truc énorme. Et alors, Conker, j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais pour moi, c'est le truc magnifique. Tu mets dans un jeu un tas de caca qui chante de l'opéra, mais tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, merde.
Mais tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, merde. Attends, à partir du moment où tu fais ça... Ouais, mais enfin, après, c'est... On n'est plus à la même époque. Non, c'est vrai. C'est plus à la même époque et on peut... Mais... Bah, tu vois, moi, le truc, c'est pas... Aujourd'hui, je bosse sur un jeu où il doit être, il doit être plus 16. Ouais. Donc en anglais, je dois pas dire fuck. Ah ouais? Si tu dis fuck, c'est plus 18. Alors que putain, genre justement. Non, mais non, mais je parle. Plus 18. Et non, mais ouais, avec Lola. Mais c'est, non, mais tu vois, c'est pas un genre. Encore une fois, hein, c'est. Moi, je veux faire le connard terre à terre, mais. Il y a plus d'ennemis. Mais tu vois, genre, aujourd'hui, je dois faire c'est un jeu. Là-bas, c'était une clé. C'est un jeu, et alors. Est-ce que j'ai une clé? Comment je crois que t'as une clé. Ouais, c'est possible. Non, oui, t'as pas de clé. Si. Ah, si, t'as une clé, ouais, pardon. Donc vas-y, essaye de faire le vol de l'ange. Nice. Ouh, tu sais, je fais un jeu où le but du jeu c'est quand même de tuer des gens. Enfin, il y a rien d'autre. Ah, je suis en combat là. Il y a encore des ennemis, je crois. Ouais. Ah voilà. Ils sont où? Il y a rien d'autre. Il y a aucune autre. Ah. Enfin, le gameplay c'est du tir et donc du coup tu tues des gens. Et enfin, il y a pas de subtilité. Mais on va être plus 16. Donc, si tu dis fuck, c'est fini. Tu peux pas dire fuck. Tu peux dire shit, mais tu peux pas dire fuck. Mais c'est si c'est fuck, c'est plus 18. Ouais. C'est ouf parce que les gamins de saison ils doivent le dire à longueur de journée. Ah, mais même plus, hein. Mais enfin je veux dire même. Eh, moins, c'est comme hein. Ça. C'est qu'en fait, mais ça va on a commencé à voir les VO avec les acteurs et tout ça. Et en au bout d'un moment on nous a dit, eh, hey, au fait, non, le jeu, on va le targeter où il doit y avoir un Peggy 16. Mm-hmm. Et donc Peggy 16 est du coup l'équivalent américain et tout ça. Ouais, M for Mature, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Et donc du coup. Tous les VO, enfin les voix bref, où ça. Ils disent fuck, ouais. On les dégage. Alors que pourtant, tu vois, sur 64, il me semble que dans mon souvenir, t'avais quand même, en tout et pour tout, sur toute la durée de 64, t'avais, il me semble, deux jeux qui étaient interdits moins de 18 ans, dont Conquer Bad First Day. Ouais, bah ouais. Normal. Oh, oh. Bah Conquer Bad First Day, alors que pourtant. Quand tu regardes les graphismes, tu te dis, oh, bah, c'est un truc pour les enfants. Et au début du jeu. Au début du jeu, justement, toutes les insultes sont censurées. Attention, t'en as deux. Oui. Les insultes au début du jeu sont censurées et au fur et à mesure, bah elles sont décensurées. Alors, je sais pas. Et Rare en a chié pour sortir le jeu. Rare en a chié pour sortir le jeu et c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait plaisir sur l'intro du quand tu lances le jeu. Oui. T'as. Alors, si t'avais suivi les épisodes alcooliques, j'avais déjà dit. Ah. C'est vrai? Bravo, ouais. Où il défonce le logo Nintendo 64. Exactement. À tronçonneuse. Parce que justement, Rare et Nintendo étaient en pleine engueulade à ce moment-là. Ouais, exactement. Ah, tu vas mourir. Ah, là, t'es mort. Oui, si tu bien. Peux... Oh, bien. Ah, dégage, non, dégage, dégage. Dégage. Si tu veux, L1. Tu peux utiliser une étoile de vie verte. Comment il me semble que. Fais start. Objet. Et voilà, petite vitale. Ouh, voilà. Merci. Et tu vas perdre des points sur toi. Go. Défonce-le là! Attends, je suis pas prête. Tu vas perdre des points sur ton sur ta note finale parce que t'as excellent. Ouais. Allez, vas-y! Ah, dommage! Ça fait rien les flingues. Ouais, franchement, les flingues ça donne pas beaucoup de. C'est, je te dis, les flingues en soi ils servent juste putain, à garder. Putain, mais tu gères. Ah ouais? Ils servent juste à garder le combo, le compteur de combo. Ouais, bien joué. Oui! Voilà! Oui! Oh ah, oh Lola, allez! Attention, il attaque sur le derrière! Bam! Oui, vas-y lui! Bam! Attends, oh non, ah là là! Ah, bah attends! Ouh! Comment je fais ça? Putain, tu déchires! Et franchement, c'est. Eh, hey, t'es stylé ou pas? Ah! Non, ah c'est stylé. Oui! Vas-y, défonce les Face! Oui, vas-y, prends-le en l'air! Ah merde, j'ai raté! Ah! Putain, ils sont robustes, ouais, hein! Ouais, ils sont costauds! Ouais, ils sont costauds! Attention! Esquive! Et voilà. C'est que le premier vrai niveau du jeu! Ah, c'est vrai qu'on est qu'à la mission 3, il me semble qu'il y a quoi? 10 missions? 10 secondes? Ouais! Voilà! On a cru bon. Qu'on allait mourir, hein! Wouh! Mais non! On est bien ou pas? Ouh. Franchement, on est bien. On est bien niveau. Hey, franchement, Lola, je pensais que t'étais une vraie stagiaire. Mais là, non. C'est pas mal. Ah, ouais. Je pense que là, t'as au moins. Master en début. Intérim. Ah oui! Intérim. Oui. Faut pas. Non, bon, on va continuer sur stagiaire quand même. Mais Petit bâtard. Bah. C'est sexiste un peu, je trouve. Ouais, quoi? Rien. Mais... C'est un peu du sexisme nauséabond. Ouais. Dans je suis très désappointé. Gabon. Et il y a ouais. Le Gabon, qu'est-ce que t'as contre le Gabon? Rien du tout. C'est pas un singe aussi le Gabon? Non, c'est le gibon. Ah pardon, oui, c'est vrai. Bon, à une lettre près. Super. Sur ces belles paroles. Rejoignez l'association Calawait qui sauve les gibons. Sérieux? Quoi?
Quoi ? C'est vrai. Ah ouais, putain, genre, t'as sorti ça tellement sérieusement et sincèrement ouais, parce que qu'en CE2, on avait adopté un gibou, entre guillemets, on les aille parrainer et tout. Très bien. Bon bah. Bah sur ces belles paroles très pleines d'espoir et tout ça. Moi je vous dis de ne pas regarder Brice 3, c'est de la merde. Allez, salut. Hors sujet. Bisous.